Ok les potes, nous, Velle Boutique, on est le 31 mars, et bonne nouvelle pour moi du moins. Vous savez, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, je vous le redis, j'avais pas de PC pendant 41 jours. Ça fait 41 jours aujourd'hui que je pouvais pas jouer sur un PC. Je joue que sur ma Switch, ou mon téléphone, mais plutôt Switch parce que téléphone c'est encore plus galère. Surtout que bah, jouer en Wi-Fi avec 30 FPS, c'est pas la meilleure façon de jouer correctement. Mais j'arrive, je suis quand même arrivé niveau 279 en jouant sur Switch. Je trouve que je me suis pas envoyé trop mal. Bon, d'habitude, je serais même beaucoup plus que ça, mais disons que j'ai pas fini tous mes défis. Tous les défis qu'on a eu là, cette semaine, je les ai pas tous finis encore. Il me reste quelques-uns à finir, mais c'est vrai que ça donne mal au cou de baisser la tête quand tu joues au Switch, sur la Switch. Mais bref, je vais à la boutique en même temps. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner si c'est pas déjà fait, les petits potes. Et le petit code créateur de la gameuse, ça fait plaisir à ceux qui le mettent. Qu'est-ce qu'on a beau ce soir? Oh, un nouveau skin! Avant que je dise ma bonne nouvelle, je vais regarder le nouveau skin. Ok. Elle s'appelle Barrette. Je sais pas si c'est une dédicace ou... J'avoue, elle est pas trop mal le skin. J'aime bien le côté petit nounours sur le côté là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Instinct ursin. Ursin. Ok, ces cadeaux c'est quoi? C'est ce code normal. Il y a un petit X comme la saison 10, entre guillemets. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'aime bien. Ça va. Elle est simple, mais. Je sais pas. J'aime bien. Je regarde encore une fois. Ah, ça me tente de l'acheter, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Avant de dire la bonne nouvelle, les gars, je vais d'abord. Ouais, je vais peut-être l'acheter tout à l'heure. Je sais pas. On verra bien. La nouvelle danse, que j'entends pas le son. Donc je sais pas si je vais l'acheter ou pas, mais la danse, j'aime bien. Attends, c'est pas la danse que j'avais vue. Attendez, les gars, je crois que c'est la danse que j'avais vue en Estrie il y a quelques temps, de ça. Et qu'il avait dit peut-être que cette danse-là sortirait peut-être en. Je crois que c'est celle que je pense. Et je vais écouter tout à l'heure la musique. Parce que du coup, comme le son de téléphone sur Fortnite, c'est pas ouf, je vais pas vous mettre le son et vous casser les oreilles. On va regarder ça tout à l'heure. Du coup, là, le retour du pack. Je leur connais bien, les gars. Hein. Ils sont assez régulièrement. Bref, les bonnes nouvelles, les gars, c'est que je vais avoir mon PC. Un nouveau PC, enfin, les gars, qui va arriver. Et du coup, qu'il a acheté, d'ailleurs, je l'ai acheté voilà, hier, du coup, le jeudi soir, vu l'heure qu'il était, c'était plus vraiment fin de journée. Et normalement, je vais recevoir un message quand je pourrai aller le chercher. Parce que pour l'instant, je l'ai juste acheté. Du coup, il faut attendre qu'il prépare le PC, j'imagine. Et du coup, sûrement aujourd'hui, dans la journée, j'espère, je reçois un message qui me dira du coup d'aller le chercher sur place, dans le magasin. Pour une fois, je ne commande pas sur Internet. On va voir si c'est mieux commander en magasin que sur Internet. On verra bien. J'espère pas être déçu comme l'autre PC. Bah, que, vous savez, l'autre PC, l'autre qui d'ailleurs était récent de base, le problème, c'est de l'emmener là-bas pour qu'ils me disent oui ou non si ils peuvent le réparer. Alors, ils ont dit en gros que c'est bien un commandé chez Boulanger. Le problème, là où je l'ai commandé, c'est sur Internet. C'est un de leurs partenariats. C'est-à-dire, c'est pas vraiment eux qui ont vendu ce PC. Donc, je suis un peu dans la merde dans l'autre PC. Voilà, grosso modo. Et du coup, il faut que ce soit moi-même qui l'envoie. Le problème, c'est que j'ai ni d'adresse, ni rien. Il faudrait que j'appelle les gens, que j'ai galéré à trouver la facture, car ils n'ont pas mis le numéro de la facture. Bref, c'est compliqué. Je sens que cette affaire va m'encore mettre des mois. Heureusement, j'ai acheté un nouveau PC. Et celui-ci, cette fois-ci, j'ai pris une marque que je connaissais. Je me suis pas bien fait avoir deux fois. Fini de prendre des marques que tu connais pas. Ah, comment... Franchement, les gars, si un jour vous prenez un nouveau PC ou si vous voulez un PC, prenez toujours des marques que vous connaissez, etc. J'ai fait l'erreur de prendre une marque que je connaissais pas trop. Parce que le prix était raisonnable. Parce que voilà, je ne peux pas acheter un gros PC qui coûte 3000 euros, je pourrais pas, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si je dois payer ça en plusieurs mois ou même années. Mais voilà ce que je veux dire. 3 000 euros, c'est un exorbitant de prix. Hein. Là, celui que j'ai acheté, il est un peu plus cher que celui que j'avais acheté l'autre. Mais au moins, la marque, je connais. Oh, il y a le retour de ce pack-là. J'aime bien ce pack-là en plus. C'était pour la spéciale. Bah, c'était sorti l'année dernière. Du coup, c'est pas moi, j'aime bien ce skin-là. Personnellement. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi, j'aime. C'est très coloré, c'est flashy. J'aime bien. Du coup, ça fait plaisir ce petit retour. D'ailleurs, la pioche était gratuite, d'ailleurs, de base. Il y a certains trucs là-dedans qui étaient gratuits. Mais du coup, dans le pack, évidemment, si vous ne l'avez pas pris la première fois,
Voilà, du coup, on a le retour des skins excentriques. On avait déjà sur les packs, séparément. Si tout vous appuyez sur les box. Je vous rappelle, ils sont customisables, comme pour la pioche, hein, customisables aussi sur la couleur des skins. Pareil pour le sac à dos. Et le revêtement aussi. Le revêtement, par contre, était plus récent. Du coup, beauté quotidienne. Oh, on a le retour de Diva Disco. D'ailleurs, il est sorti à l'époque le 1er janvier 2019. Si je dois bêtise. Mais je crois que c'est ça. Le skin de Caroleur. De retour. La pioche. La vente aux ninjas. Cette pioche-là, elle allait beaucoup de gens qui l'avaient acheté à l'époque. Parce que le mec qui s'appelait Ninja, l'Américain, je crois que c'est un Américain, je fais pas de bêtises. C'est pas un Anglais, c'est un Américain, je crois. Bref, il avait cette pioche et tout le monde l'a acheté pour ça. J'avoue qu'elle est un peu originale. Après, une ventouse, c'est vrai que c'est particulier, une ventouse avec enfin, une épée qui traverse, quoi. De Ninja. Ouais, bon, pourquoi pas. Hein. Le petit revêtement, ok. La petite danse, jubilation. La boutique est quand même bien. Claque des pieds, ok pour le son des bocs. Du coup, bah les gars, peut-être que ce soir, en espérant qu'aujourd'hui m'envoie un message pour que je récupère le PC, peut-être que ce soir, vous verrez enfin la boutique sur un PC en meilleure qualité avec le son. Wouhou! Non, j'ai très hâte, franchement. Ouais, franchement, j'ai hâte. Donc, toujours disponible, c'est pas. Mario Kart. Oh, il y a le retour de pack là! Il est sorti il y a un petit moment ce petit pack. Ça fait plaisir que tu retournes ce genre de pack. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien ce genre de skin. Moi, on me l'avait offert à l'époque. On m'avait offert le 9 avril. Je me rappelle parce que c'était un ami à moi qui me l'avait offert le 2021. Je crois qu'il est sorti ou. Ouais, c'est ça, 2021. Je sais pas cette bêtise. Je crois pas que c'était la dernière fois, c'était l'année d'avant, je crois. Je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises. Attendez. Ça, c'est marqué la saison. Ou pas. Non, c'est marqué la saison. Ah oui, c'est bien ce qu'il disait. Il y a 2000, en 2 ans, et c'est ça. Eh, j'ai une belle mémoire, hein, les gars. Et j'ai une belle mémoire. Et le club de Fortnite, qui, du coup, sortira demain. Donc, à la prochaine boutique. Pour ceux qui ont le club, comme moi, par exemple, vous l'aurez, du coup, demain, les gars. Et moi, les V-Bucks, bah, c'est le 2 avril que j'aurai. Et le skin, le premier. Alors, dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi, du skin? Vous validez, vous validez pas? Je sais qu'il y en a plein qui vont peut-être aimer le skin. D'autres, peut-être pas. Moi, je trouve qu'il est sympa. Il est original. J'ai un skin que je vais jouer peut-être. On verra après. C'est vrai que les cornes sur le côté, je sais pas si ça va être gênant pour jouer. Mais sinon, le reste du skin, je trouve qu'il est sympa. Il y a un côté obscur, je sais pas. Ouais, peut-être qu'en ce moment, j'en ai beaucoup de séries d'un côté de la scène naturelle. Du coup, ça, je suis un peu dans l'ambiance. Peut-être. Bon, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas aimer. Hein. Je sais que ceux qui jouent avec des skins tryhard, genre le skin, c'est pas leur skin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je joue avec un petit peu de tout. Donc, voilà. Bref, ça, c'est mon avis, les gars. Du coup, j'espère que ce soir. J'aurai la possibilité de jouer sur PC. Parce que vous verrez, vous aurez sûrement peut-être un live, peut-être, je sais pas. Faudra que je réinstalle tout si j'aime. Bah, déjà, faut que je réinstalle OBS et tous les paramétrages. Tu vas prendre un temps à remettre tout. Alors, je sais pas s'il va être tout prêt ce soir, on verra bien. Si jamais je l'ai aujourd'hui. Peut-être même que j'aurai samedi matin. Hein. Je ne sais pas. Hein. Tout dépend quand ils m'auront envoyé un message. Ce matin, je fais des courses déjà. Je vais aller dormir juste après un petit peu pour essayer d'être en forme ce matin. Et en espérant d'avoir une nouvelle dans la journée. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et prochain live. Sur ce, bye bye!